prêt. Et il est 10h15 et nous nous dirigeons tranquillement, gaiement, vers le zoo de LA. Bien entendu, nous sommes en retard, comme d'habitude. On n'est pas en retard, il n'y a pas d'heure, on y va quand on veut en fait. Si, je voulais voir les otari. Ah, mais je me disais bien que je me suis trompée de rouge à lèvres en fait, c'est pas lui que je voulais mettre. C'était le rose. On pensait qu'il faisait grave chaud, mais finalement il y a grave froid. Il fait un peu froid, j'espère qu'on va pas se cailler les miches. On verra là-bas. Ça vibre des cartes Navigo les frères. J'ai une 100 balles et j'ai une 25 balles. Direction quoi ? Porte-maillot. Putain, je suis en possession de cartes dans l'escalator, je ne suis pas confiante du tout. Je suis hantée par le souvenir de ma carte qui passe là-dedans, perdue dans les profondeurs. May I just see your photo ID with your card? Tu veux dire quoi? C'est parti! J'ai parlé! Ah, on a pu rentrer! Wow! Premier truc, c'est les chiottes. Tiens là! Demandez quoi, ta mère? Bah, c'est où les spectacles des alligators? Mais t'es sérieux? Tu viens de me dire que c'était là? Mais non, je sais pas! One of our big events. I hope it's what's awesome for you guys. C'est un calme. On va voir le spectacle des oiseaux. Et ouais. Les indescriptibles. C'est débarrassant. Accessoirement, il y a les indescriptibles. Attends, je sais plus où je dois regarder. C'est ça le spectacle ou c'est ça? On a réussi à avoir nos sacs et du coup on va demander des bonbons partout. Ça va être notre lunch. Oh, je vais pas vu qu'il est en train de dormir sur un port. He's throwing dirt on the other one. Je trouve ça pas très cool de montrer ça aux enfants quand même. Des flamants roses et des flamants verts. J'avais encore jamais vu cette espèce. Il est très grand par rapport aux autres et du coup il dort aussi sur une patte. L'espèce d'où? Oh putain, j'en ai jamais vu de ma vie. Oh là là. C'est quoi, un canard, c'est ça? Je crois que oui. Faut qu'on appelle papa et maman pour voir. Aïe. On dirait Kinvé. Ça on voit pas, mais c'est un wombat qui vient d'Australie, genre. J'en ai jamais vu de ma life. On dirait un cochon d'ours. Il y a des petits cactus partout. C'est pas une vraie montagne, mon gars. Je suis désolée, hein. Putain, il est grave fort. Coucou, toi. Il remue de ouf sa queue. À cause des mouches, je crois. Bon, alors, il est excité de te voir. Il y a un des singes comme ça. Il s'appelle La bla bla la Pookie. Ferme la porte, il y a la Pookie dans le sas. Pookie. Toi t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous y'a un fossé. Toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale. Allo, allo, allo. Million dollars, bébé du beau sort. Bébé, bébé du sale. Allo, allo, allo. On dirait deux grosses crottes qui flottent. Mais ouais. Tu sais, quand ils chient, c'est grave drôle. Bla 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 Pookie. Coucou. Vous êtes trop beaux. Poison frogs. Elles sont toxiques. Elle est trop belle. Mais elle te tue. Donc t'as vraiment ça dans la nature. À quel moment? Jeremiah, hold your hand.
making it go in a circle. I'm making it go in a circle. C'est trop beau ce petit chemin. Il y a plein de petits chemins trop beaux avec des super. Il est 16h, on a presque fini de voir tous les animaux. Je crois qu'il nous en reste que quelques-uns, des petits oiseaux, des trucs comme ça. Et des fois, on a vu du mauvais côté, mais je pense que si on y retourne, on va aller les voir. On accepte la défaite. Il n'y a pas de défaite, wesh. Il n'y a pas de défaite, que des leçons. Non, oh, je suis très cernée aujourd'hui. Là, c'est la place des éléphants. Attends, les portails, ils sont énormes. Je veux dire, les portos. L'espèce en voie d'extinction. Le toucan tropical à bec ouvert. Très dangereux, très venimeux. Ah, c'est notre fin de visite au zoo de Californie. On dirait que j'annonce la météo. Et ce soir, les températures seront en légère baisse avec une perte de 3 degrés Celsius. J'imagine même pas combien de parents se sont fait couiller aujourd'hui dans ce genre de magasin. Oh putain, j'en veux grave. Ce bébé girafe et le gros qui l'a taclé tout à l'heure. Je l'excuse maintenant. On n'a pas trop filmé, mais aujourd'hui il y a plein de gens qui sont déguisés. Elle a parlé espagnol, mais on aurait trop dû qu'elle a dit elle s'appelle Léane. Bah grave. Et j'ai la preuve. Plein de gens qui sont déguisés. On a fait un petit tour des boutiques, maintenant on va rentrer paisiblement. J'avais oublié qu'il fallait faire les courses, j'ai aucune idée. Et énergie. On va manger parce que on a la dalle. Parce qu'on n'a pas mangé à part des bonbons. J'avais jamais vu cette race de. La meuf qui fait la même blague quand on était. J'avais jamais vu cette race d'alligator. J'ai vu cette race de lion. C'est un lion sauvage des tropiques. Tu vends un cookie? Hein? Tu vends un cookie? Ouais, j'y ai pensé il y a 2 secondes, ça avait. On entend ta mère derrière. Oh. Oh. Tu sais que maman va voir la vidéo en fait. C'est fini. Là, c'est les premiers toilettes où j'ai été. Nostalgie de la journée. On sent de la zoo. Et il fait très gris et j'ai le seum. Je voulais qu'on aille à l'observatoire. Oh, il y a ta mère. Ta mère poilue. Le bus est dans 50 minutes. Putain, mes cheveux, ils ont grave poussé. Sans branle, t'as vu. Le bus est dans 50 minutes, du coup, on a appelé Edouard. Je suis morte. On a juste appelé un beurre et on a appris qu'il s'appelait Edouard. Depuis, on dit « Edouard, où est-ce que t'es? On t'attend. » Et à part ça, le banc est chaud, du coup, ça fait du bien de poser son gros cul dessus et on a fini tous les cookies. La police a tellement de crédibilité dans ce pays. Police. Waouh, fait froid. Ce matin, je lui ai dit « On prend une veste. » Elle a dit « Non, je préfère avoir froid que prendre une veste. » Et maintenant, elle se chie dessus comme une babine. What? Par contre, vrai rétroviseur. Ça, c'est un rétroviseur qui rétrovise. Ah, oh, putain, voilà, regardez ce que Laurie a fou comme bordel dans mon appart. C'est une blague, c'est vraiment bien rangé. C'est une blague, les petits sont rangés. C'est bon, du coup, on est prête pour aller faire les petites courses. Oh, putain, ah, j'ai rigolé. Du coup, on a chillé dans l'appart. Enfin, je me suis endormie comme une merde, on va dire. Et là, on couche pour aller faire les courses et j'avoue que j'ai aucune. Mais aucune motivation. LA by night. Oh, oh. Par contre, elle est sortie en claquette chaussette. On est sorti du métro. Risqué, hein? Disons, ça se rapproche. Il fait Frozen. Oh, on est là? Oui, regarde, on est là. La dernière fois, t'as dit, ah, il y a le métro là. On a réussi à faire toutes les courses sans regarder la liste. On s'est rappelé de tout ce qu'on avait à prendre. On s'est rappelé des prix et donc... On sait quoi? On s'est rappelé des prix. Donc là, ça nous a... On s'est rappelé, on ne commence pas. On s'est rappelé des prix, enfin on a vu les prix. En fait, ouais, il n'y a pas le Monster Munch chez Tchouk parce que c'est un magasin bio en fait. Non mais non. C'est bio ça peut-être? Oui. Huile de tournesol. D'accord. Et sel. Mais dans l'autre, il n'y avait pas non plus. Il n'y a pas de conservateur ou de je sais pas quoi. Il n'y a pas de tuc, il n'y a pas de cacahuètes, il n'y a pas de pistaches. Il y a des cacahuètes et il y a des pistaches à l'entrée et il y a des chips là. Il n'y a pas d'apéro.
Le sauciflard il coûte 10 balles, oui. C'est quoi ça? Mais ça c'est dégueulasse, c'est leur truc de merde, le cheese qui bouffe tout le temps. Enfin, c'est de l'apéro. C'est de l'apéro dégueulasse, c'est pas de la vraie apéro. Bah, non mais tu crois que mon sermon c'est du vrai apéro, mais ma pauvre fille. Laurie elle est super choquée parce que dans le magasin t'as le mec qui vient, qui prend ton caddie, qui prend tous les aliments, qui met dans les sacs, qui est grave poli, qui est grave gentil, blablabla. Bla bla. Et on sort et on est presque sur Hollywood Boulevard, il y a les étoiles par terre. Il nous a même laissé 3 sacs parce que c'était lourd. Oh là 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 là, ils sont tellement gentils. Ça c'est cool, ça c'est ce que je kiffe ici. Nous revoilà avec nos sacs remplis dans le métro. Non mais moi je fais jamais les courses en métro. Bah oui mais quand t'es pauvre et que t'as pas de voiture, c'est comme ça que ça se passe la vie. Elle est très mignonne cette station. Il y a plein de petits trucs pour lire les pellicules. Partout. Ils ont dû galérer à les mettre. Ah ça rend grave stylé comme ça. Attends regarde-moi. Attends, comme ça. Ah, c'est bon. De retour dans la street. De retour à Ketanzu.